Je sais, on n'a qu'à faire comme le petit poussé. Regarde toutes ces pommes de pin dorées qui décorent les arbres. On va les jeter sur nos pas, s'exclama Suzanne. Et les enfants continuèrent leur chemin, déroulant une traîne d'or dans leur dos. Mais le lutin était déjà loin. Il s'enfonçait toujours plus profond dans le sous-bois quand une cabane de rondins leur refusa le passage. «